Goldman, le professeur. Ouais, c'est vrai. Mélodrame. La petite minute pour Hervé Penaud. Ouais. Dans quelques instants, on accueille Patrick Chassé parce que Patrick, la formation du jour quand même. Julien Alaphilippe, maillot jaune sur le Tour de France. On l'accueille dans quelques instants. Et puis on parle également de la victoire de Lyon en Ligue des Champions féminine, la cinquième consécutive. On revoit juste les buts de la soirée. Si vous ne les avez pas vus, la victoire de Marseille face à Brest, ouverture du score signé Florian Thauvin. Ça spécial, 1-0 après 17 minutes de jeu. Le deuxième but, Thauvin cette fois-ci passeur pour Kalitachar. Brest 2-1 sur ce but de Fèvre. On était à la 44e. Le 3-1, encore Thauvin à la passe pour Kalitachar, auteur d'un doublé. Marseille s'est fait peur, 89e. Le but de Charbonnier pour Brest. Score final, 3-2 pour l'entrée en lice de l'OM dans ce championnat. L'Olympique Lyonnais, avant d'accueillir Patrick Chassé pour parler de Julien Alaphilippe. On applaudit l'Olympique Lyonnais quand même. Cinquième victoire consécutive en Ligue des Champions. Incroyable pour cette équipe et le club de Jean-Michel Aulas. Victoire en finale face à Wolfsburg, 2-0. Voici d'abord ce cinquième trophée consécutif remporté par les Lyonnaises. C'est prodigieux, une telle domination à un moment où les autres clubs, 3-1 pardon pour la victoire, 3-1 pour la victoire avec Lyon. C'est vrai que l'armada autour des clubs féminins s'est nettement améliorée au niveau européen, Dave. Et malgré tout, Lyon qui continue à dominer. 3-1 avec les buts de Le Sommer, Koumagaï et Sapa Björk Gunnarsdóttir pour l'Olympique Lyonnais. C'est prodigieux. C'est prodigieux et pour le coup, il faut quand même saluer là, le travail de Jean-Michel Aulas qui là-dessus a été particulièrement visionnaire, je trouve. C'est-à-dire à un moment où c'était encore un peu délaissé. Enfin voilà, il y a mis vraiment une vraie implication, que ce soit au niveau des moyens, mais au niveau aussi personnel, parce que il accompagne, il suit cette équipe. C'est pas juste quelque chose qui serait une sorte de succursale et tout. Donc vraiment, il y a une vraie implication. Et comme vous le dites, en Europe, on voit bien que maintenant ça commence à se structurer, notamment au niveau des clubs historiques du football masculin. On voit bien que le Real, le Barça commencent à se doter maintenant d'équipes. On voit qu'en Allemagne, c'est développé, en Angleterre, pareil. Et les Lyonnaises, l'OL, ont vraiment pris plusieurs coups d'avance. Et c'est très bien parce que quand la compétition va se resserrer, ce palmarès-là, il sera fait. Ouais. Personne ne pourra le enlever. Et franchement, bravo. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir même à quel niveau est placé l'OL féminin, même à Lyon. Hein, quand vous allez au musée du club, vous vous rendez compte que il y a le parti homme, parti femme au même niveau. C'est-à-dire que ça a toujours été considéré comme un grand club. J'ai bien aimé ce matin, il y avait le papier de Nathan Gourdol, qui est le spécialiste chez nous du football féminin, et il expliquait, il disait maintenant on va les appeler les légendaires, elles ont eu tous les noms, les Galactiques, les Lyonnes, aujourd'hui c'est les légendaires, ce qu'elles ont fait là, effectivement c'est un truc hors norme, c'est phénoménal, c'est-à-dire qu'il y a eu des investissements énormes mis sur cette équipe de football, et puis les filles ont assumé. Et tu bats Wolfsburg, c'était la grosse équipe aussi européenne. D'ailleurs, les deux se partagent les titres et de battre Wolfsburg, ça veut dire quelque chose. Et félicité par le président de la République. Hein. Regardez ce tweet d'Emmanuel Macron, notre président. Légende s'écrit bien au féminin avec la victoire de Lyon. Bravo. Légendaire. C'est Nathan Gourdol, moi, j'ai rien à voir. Vous auriez pu conseiller le président de la République. Oui, de temps en temps, il m'appelle, effectivement. Quand il a des soucis. Est-ce qu'on arrête le championnat? Oui, c'est vous, alors. Ça, je peux vous dire, ça n'aurait pas été moi. Bon, voilà pour la victoire de l'Olympique Lyonnais, donc une nouvelle fois, cinquième victoire consécutive. On n'attend pas Patrick. Patrick Chassé, on l'accueille. Il vient avec son attirail parce que les conditions sanitaires sur le tour, elles sont drastiques, on est d'accord. Hein. Magnifique. Est là, hein. Patrick, tout est là, et alors vous pouvez vous rapprocher un peu quand même, n'exagérez pas. Poussez un peu les notes, rapprochez-vous. Voilà. Patrick. Oui. Les images, Julien Alaphilippe, déjà en jaune sur le Tour de France. Ça a fait frissonner la France encore aujourd'hui. À croire qu'il n'y a pas eu cette période, on a dit quoi, particulière entre la fin du Tour l'année dernière et... Non, il ne s'est rien passé. On est dans la continuité, finalement. En tout cas, pour lui. Puisque quoi, finalement, ses derniers succès, c'était quoi? C'était sa victoire, son dernier en tout cas, c'était sa victoire à Pau l'année dernière, dans un contre-la-montre. Il avait gagné Épernay en ligne. Il revient sur le Tour, il est dans son jardin. Il gagne. Finalement, on est dans une certaine normalité en ce qui concerne justement ce. Et cette image, Patrick, les larmes de Julien Alaphilippe, qui a pensé très fort à son papa décédé récemment. Voilà, c'était ça aussi. On sait quand même que c'est un coureur qui est extrêmement émotif.
Là, c'est tout à fait compréhensible. Il cède à cette émotion. C'est un coureur qui a un tempérament très généreux. Mais il faut savoir aussi que cette générosité lui a été transmise parce que finalement, depuis toujours, il n'a eu de cesse de rendre hommage à son père. Il y a un clan Alaphilippe autour de lui qui a toujours été très présent, y compris dans des courses où, en général, on n'a pas trop le temps de temps à accorder à sa famille. Elle a toujours été autour de lui. Là, cette année, il manque quelqu'un. Et à sa réaction à ce sujet, Julien Alaphilippe. C'est toujours une émotion spéciale de gagner sur le Tour, mais voilà, c'est une année particulière. J'ai pas gagné une course depuis le début de saison. Et, j'ai toujours continué de travailler dur, je suis resté sérieux malgré les moments un peu plus durs. Et, voilà, je voulais juste dédier cette victoire à mon papa, ça me tenait à cœur et je suis vraiment content d'y être arrivé. Ça ajoute à la belle journée pour Julien Alaphilippe, évidemment, Patrick. Mais désormais, Alaphilippe en jaune, ça, c'est naturel, quoi. C'est, l'histoire, elle est assez incroyable. Si on l'écoute, ce qui serait naturel, c'est qu'il le perde. Mais il a dit ça se respecte. Donc il y a une contradiction dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que d'un côté, il a dit de très tôt qu'il ne voulait pas faire du classement général un objectif. On rappelle que l'année dernière, il était en jaune jusqu'à deux jours de l'arrivée, donc que logiquement, il pourrait songer, pourquoi pas, à un jour en tout cas, remporter le Tour de France. Mm-hmm. D'un autre côté, il nous dit, un maillot jaune, ça se respecte, donc on va le défendre. Et il n'y a pas d'autre candidat dans son équipe pour prendre ce maillot jaune. Donc voilà, je ne suis pas sûr que lui-même soit exactement fixé. En tout cas, c'est conforme à ce que l'on attendait. Quand il avait déclaré, notamment dans les colonnes de l'équipe, qu'il ne voulait pas faire le classement général, on s'était dit, oui, mais enfin, vu comme est dessiné le Tour cette année, avec finalement jamais deux étapes de plaine pratiquement qui se suivent, mm-hmm. avec beaucoup d'étapes pour puncheur-grimpeur, il était naturel, surtout avec sa condition, finalement, qu'il prenne rapidement le pouvoir. C'est-à-dire, on ne parle plus là de sa volonté, de sa stratégie. Si on se dit, mettons qu'il le veuille, tu penses qu'il peut le faire ? Ah, bah écoute, moi franchement, sur ce qu'on a vu l'année dernière, alors quand on parle effectivement d'un environnement, on songe à son équipe. Hein ? C'est la meilleure équipe du monde. Elle est assez complète. Oui, il n'y a pas de pur grimpeur, il n'y a pas forcément le type qui va le lâcher à 2 km du sommet, mais ce n'est pas grave parce que lui, ce n'est pas dans son tempérament d'attaquer à 2 km du sommet. Lui, il aura attaqué probablement avant. Ou mieux, il aura profité de la moyenne montagne, ce dont rêvent d'ailleurs les organisateurs, pour magnifier le Tour de France et ne pas se contenter des quelques arrivées si prévisibles où l'on sait qu'il va se passer quelque chose au sommet des grands cols. Ah, Bertrand Latour est avec nous, lui, le fan de vélo. Alors, on l'avait suivi sur les Strade Bianche, sur Milan-San Remo, sur notre chaîne, Julien Alaphilippe. Alors, la France rêve de Julien Alaphilippe en jaune. Bertrand, est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on peut faire rêver les gens qui nous écoutent ? Bah, ça coûte pas cher hein, de faire rêver les gens, mais Saoud, j'y crois assez peu pour être tout à fait honnête. Même s'il a gagné aujourd'hui, je suis pas certain qu'il soit au niveau où il évoluait l'année dernière. Il était quand même stratosphérique. Il faut se rappeler qu'il était dans une condition qui lui a quand même permis de gagner le contre-la-montre du Tour de France, Julien Alaphilippe. Et je le trouve un peu moins éclatant que la saison dernière. Après, peut-être que les jours de course vont lui permettre de se hisser à ce niveau-là. Il y aura déjà une bonne indication mardi avec l'arrivée à Orcières-Merlette. Il y a notamment un col de 7 km. Ça va déjà ne pas être simple pour lui. Et Patrick commençait à parler de son équipe. Il a une équipe qui est dans le registre de la montagne assez faible. En tout cas, qui n'a pas du tout été construite pour ça, parce qu'il y a Sam Bennett, le sprinter. Il y a lui également de son côté. Hormis Dries De Vennant, c'est Bob Jungels. Il n'a pas grand monde pour l'accompagner. Et quand vous êtes maillot jaune, vous êtes attaqué. On l'a vu par exemple avec Thibaut Pinot lors de la dernière étape du Critérium du Dauphiné. J'ai peur qu'il paye, un, son équipe en montagne, et deux, qu'il manque peut-être un poil de jambe. Mais bon, il est capable de tout, on le sait. Réponse de Patrick. Je crois qu'on est sur une course où beaucoup d'équipes, notamment les grandes équipes, Jumbo-Visma, on les a bien vues d'ailleurs aujourd'hui, curieusement en retrait dans cette fin d'étape, que ce soit l'équipe Ineos également, on est probablement plutôt dans l'expectative. On n'a pas forcément envie, il me semble, de lancer la course des Orcières-Merlette. Oui, il y a de la montagne, il y en a peut-être trop pour Alaphilippe, je suis d'accord avec Bertrand. Non, la course, elle ne va pas forcément se décanter aussi vite. Et il risque en tout cas de signer pour un bail assez long sur ce Tour de France, à moins qu'un autre Julien Alaphilippe, lui aussi, joue les baroudeurs ou les finisseurs pour s'emparer de cette tunique auparavant et que ce ne soit pas forcément l'un des grands favoris non plus du Tour. Hervé ? Oui, enfin moi, Orcières-Merlette, je pense que ça va être dur pour lui déjà. Ça va pas évident parce que là, c'était quand même très, très resserré. Mais ce qui nous a fait vivre aujourd'hui, c'était magnifique. On n'en a pas parlé, mais c'était un moment incroyable. Tout le monde l'attendait et il a été présent. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. C'est lui qui fait l'attaque.
hein, pour faire la différence. Après, sur le sprint, alors déjà, il perd en haut du col, parce qu'on pouvait se dire, en haut du col, il va prendre les 8 secondes, et puis après, il aura un peu plus de certitude avant le sprint pour être sûr d'être maillot jaune, puisqu'il y avait un bonus en haut de la dernière côte. Et finalement, le sprint, il le gagne à l'arrache. C'est lui qui le lance parce qu'il sent que ça peut revenir derrière. Il fait tout. Il gère bien. Il y a l'émotion qu'il y a derrière. On le voit dans ses propos. Il est à la limite des larmes. On peut tout à fait le comprendre. Et ça a été un moment magnifique, magique. Malheureusement, moi, j'ai l'impression que le tour est découpé de telle manière qu'aujourd'hui, être simplement un puncher, ça ne sera peut-être pas suffisant. Le mot de conclusion du président, juste une question. Vous nous dites qu'il n'a aucune chance de gagner le tour parce que c'est trop dur pour lui. Est-ce qu'il y a un Français qui a une chance? Qui peut lutter. La réponse, elle est un peu dans la question quand même. Parce que, Vous suivez un peu le vélo ? Alors sûrement, Thibaut Pinot. Je le suis, mais de loin. Hein. Mais non, mais Thibaut Pinot, on en entend parler. Non, bien sûr qu'un Français peut s'imposer. Thibaut Pinot, il est dans les clous pour l'instant. Il a terminé, mais pas seulement lui, hein, d'ailleurs. Il est déjà tombé. Oui, il est tombé, mais finalement, là où ça risque de pêcher, c'est là que je rejoins encore ce que dit Bertrand Latour. L'équipe, c'est quand même primordial. Il a surtout un équipier qui est touché, David Godu, qui a beaucoup souffert, qui s'est fait distancer aujourd'hui, qui est revenu finalement, qui a vécu une journée difficile. Il ne faut pas perdre ses équipiers en cours de route. Mais c'est vrai que c'est jamais bon de tomber en début de Tour de France. En général, on est pris dans une spirale qui n'est pas très bonne. Après, Thibaut, en général, c'est plutôt à la fin que ça se passe mal. Là, c'est au début. Il a une chance. Il n'y a pas d'élimination directe au premier tour dans le vélo. C'est ça qui est cool. Il a une chance. Avant de vous libérer, Patrick, on va découvrir tous ensemble la une du journal L'Équipe avec, la voici, masque d'or pour Julien Alaphilippe. Il fait la une, évidemment, du journal après l'obtention de ce maillot jaune. Il va rentrer dans la légende ou pas? On croise les doigts pour lui. Hein, Patrick, déjà, on vous retrouve tous les soirs dans L'Équipe du soir avec Olivier Ménard pour parler du Tour de France et puis les courses qui vont s'enchaîner également sur notre chaîne pour le feuilleton du vélo. Merci infiniment, Patrick. Merci. Le plexi, il faut reprendre. Ah, c'est le parloir. On part avec son parloir. Voilà, lequel des deux est en tôle, par contre. Bertrand, très rapidement avant de vous libérer, vous étiez avec Cédric Manet-Ocoque à Brest. On a vu des masques et c'était très respecté sur le Tour de France. C'était comment à Brest ce soir? Oui, c'est une question intéressante. Soirée paradoxale parce que vous le voyez, je suis en zone mixte. Il n'y a plus de zone mixte, que les joueurs ne passent plus s'arrêter devant les journalistes justement à cause du Covid-19. Mais tout le monde doit porter un masque. Ça a été extrêmement bien respecté. Tous les spectateurs avaient un masque et franchement, il y a la sécurité. Faisait le nécessaire pour qu'ils soient vigilants. En revanche, moi, ce qui m'a frappé, le stade du Francis Lebé, c'est 16 000 personnes. Il y avait deux tribunes seulement ouvertes encore. Partiellement parce que c'était pas complètement ouverte et donc l'intégralité des 4983 personnes qui étaient présentes ce soir étaient concentrées sur deux tribunes. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait pour le coup là aucune distanciation, tous les sièges quasiment étaient occupés, alors que certes les gens avaient un masque, mais ça pose quand même la question de ces jauges maximales en fonction de la capacité globale des stades et de l'ouverture de peut-être de la totalité d'un stade. Et c'est vrai que oui, je suis assez dubitatif, assez étonné de ce qui s'est passé ce soir à ce sujet-là, même si je répète que tout le monde effectivement avait un masque et ça c'était très bien respecté. Merci pour ce témoignage, Bertrand. Merci à Cédric qui vous accompagnait. Cédric Manet-Ocoque qui vous accompagnait donc pour ce Brest-Marseille. On va parler de Léo Messi, vous donner les toutes dernières infos qui auront leur importance pour le départ ou non de Léo Messi du FC Barcelone. Avant cela, que ce sera le cas tous les dimanches soirs évidemment, toutes les images de la journée en Ligue 1. On va commencer par Saint-Étienne-Lorient. La victoire des Verts ce soir, aujourd'hui, c'était cet après-midi, 2-0, 19e minute. Nordin qui décale pour Amouma, ça aussi c'est spécial à Mouma. Un peu moins que Thauvin. Un peu moins que Thauvin. En tout cas, le but là, est magnifique. Il est marqué à 3 mètres quand même. Il est marqué à 3 mètres. C'est même des très beaux buts en fait. Le doublé pour Amouma. Il était marqué à 10 mètres. Donc c'était encore plus facile. Malgré tout, l'enroulé quand même, il est magnifique. Magnifique, il est clinique. Magnifique. Autre match cet après-midi. Qu'est-ce qu'on vous offre? Reims-Lille avec la première victoire lilloise cette saison, 1-0. Yilmaz qui décale, Jonathan Bamba. Là aussi le petit rebond qui trompe le gardien. Ouais, Bamba en forme, un match fermé. Hein. Ça passe au milieu de tout le monde. Premier poteau. C'est pas une erreur ça, vraiment du gardien? Comme le joueur rentre. Je crois qu'il fait un demi-pas un peu parce qu'il pense qu'il va l'enrouler. Il croit qu'il va l'enrouler, c'est ça. Comme maintenant, il y a beaucoup de joueurs comme ça, on l'a vu, qui enroulent.
Mais le gardien, il est obligé de supposer quelque chose et d'anticiper. Il sanctionne Messaoud, ça. Non, fallait pas croire. C'est gentil. Metz-Monaco, victoire monégasque. 1-0, le 22e minute, le coup franc de Diop. Et reprise de Benoît Badiachile. Alors, heureusement qu'ils ont un attaquant de pointe. Hein. Ouais. Tu le cherches, ton grand attaquant, il est là. Premier succès cette saison également pour l'AS Monaco. Alors, qui a fini à 10, Monaco. Hein. C'est dur. Hein. C'est un peu dur, sévère. Il y a beaucoup de cartons rouges depuis le début de la saison. Le ballon sur le pied sur le ballon. Hein. Très sévère. Ouais. Le football moderne de Kovac, on attend encore un petit peu. Attendons encore. Franchement, là, ils ont été en souffrance pendant. Oui, oui. Ils ont souffert. Honnêtement, ils avaient été meilleurs la semaine d'avant contre Reims, où ils avaient proposé des choses. Là, franchement, non. Alors, c'est une victoire. C'est une victoire méritée. Voilà. Non, qui fait du bien. Mais pour viser ce qu'il vise, il va falloir autre chose. Tout à l'heure, le duel avait été gagné très nettement par Dave. On était à 55-45. Ça a changé un peu en régie. On va demander les gens ont réfléchi un peu depuis. Ah, c'est toujours 55-45. Oh, ça se maintient, ça se confirme. Ça se maintient. Bon, enfin, si tu rajoutes la tête sous l'eau. Ouais, si tu rajoutes un duel sur Monaco, ça vient de descendre à 54. Et ça reste très confortable. Bon, alors, Léo Messi, le feuilleton est loin, très loin d'être terminé. On vous fait le résumé d'une journée qui va compter. Léo Messi qui veut toujours partir du Barça. Que s'est-il passé aujourd'hui? Plusieurs informations importantes à vous donner. D'abord, Luis Suarez arrivé pour les tests de reprise sans Lionel Messi. Léo Messi qui a séché les tests au Covid pour la reprise qui aura lieu demain, lundi. La Liga donne raison ensuite, c'était un peu plus tard dans la journée, donne raison au Barça en indiquant que le contrat de Messi est toujours valable. Vous vous rendez compte, la Ligue de football professionnel en Espagne qui prend la parole pour dire « il s'est dit beaucoup de choses, etc. » mais le contrat de Messi est toujours valable, il est bien lié au FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il y a la Ligue. Bon, vous avez perdu Cristiano Ronaldo. Ouais. Si vous perdez Messi, alors juste c'est pas fini. Non mais sur cette histoire là, ce qui était en jeu, c'est le fait qu'il y a une clause depuis quelques années. Vous devancez. Autre information, un peu plus tard cette fois-ci. La clause libératoire de Lionel Messi ne serait plus valable. D'après une source proche du dossier, une clause de son contrat permet à l'Argentin de quitter le Barça gratuitement. Alors, en fait, le truc, c'est que tout le litige vient de là. C'est-à-dire que lors des saisons normales, la clause court jusqu'au 10 juin. Chaque année, jusqu'au 10 juin, Messi peut faire activer cette clause qui lui permet de partir sans qu'on verse la clause libératoire qui est élevée à 700 millions. Or, cette saison, évidemment, a été particulière. Et donc, le clan Messi dit « Oui, mais la saison espagnole, comme toutes les autres, a été décalée dans le temps. » Donc, cette date butoir, en quelque sorte, exactement, c'est ce qui est écrit là. Voilà, doit être reculée d'autant. Il joue là-dessus, donc. Il joue là-dessus, ça s'envenime visiblement en coulisses. Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour pour Léo Messi à Barcelone? Bon, tant qu'il n'est pas parti, il y a toujours un point de non-retour dans le football. En football, c'est toujours très particulier. Mais enfin, en tout cas, on prend le chemin. Moi, ce qui est inquiétant, c'est que il ne demande rien en contrepartie. Il ne dit pas « il faut que le président s'en aille, il faut ça, il faut ça ». Il dit « je veux partir ». Il a décidé de partir, il a compris qu'il y avait une forme de reconstruction. Ça, c'est le truc, c'est le point de non-retour. S'il avait mis des conditions, on discute. Là, il ne veut pas discuter. Je pense que... Mais ça, il a déjà discuté avec Guardiola. Tout est discuté de l'un côté. Il sait où il veut aller. Et puis, une fois que vous avez un objectif, il s'est dit, mettons ça, je veux faire quelque chose de différent. Mm-hmm. Il a bien compris que c'est une reconstruction, ça prendra du temps. Il a déjà 33 ans. Il va pas mettre 3 ans avant de regagner quelque chose avec Barcelone. Attendez, regagner, ça reste Barcelone. C'est une grosse équipe. Ils seront premiers ou deuxièmes du championnat espagnol la saison prochaine. Mm-hmm. Ils se rendent bien compte qu'il y a une forme de cassure aujourd'hui. Suarez, on n'en veut plus, c'est son grand pote. Je ne savais même pas que c'était lui qui venait le chercher en voiture. En plus, Piqué, Bousquet, etc. Donc aujourd'hui, il a envie d'aller à Manchester City, il a envie de partir, c'est terminé, il a mis ça dans sa tête. Il voulait partir proprement, mais quand on sèche le test, la reprise a lieu demain. Ça se finira avec un montant de transfert entre 50 et 100 millions d'euros. 100 millions. Voilà, ils trouveront une solution. 50, à mon avis, c'est pas cher. Oui, mais il vaut mieux, Ronaldo, vaut mieux 50 que rien. Ronaldo, c'était 100. Alors qu'ils avaient une clause à 1 milliard. Hein, mais il vaut mieux 50 que rien, parce que là, il y a quand même une faille juridique. À l'ère générale, à 50 millions, l'OM... Mais je sais pas si paye. En revanche, il n'y a pas de salaire. Il l'achète sans salaire. Il ne va pas au test, il est obligé, il est dans sa stratégie. Ouais. Parce que si ils disent la date de la fin de contrat, c'était à telle date, je ne suis plus sous contrat avec le club. Donc je ne suis pas obligé de me présenter. S'il vient,
Il met un doute sur. Ça sent quand même le point de non-retour. Hein. Ah oui, parce que là, il appartement où il revient plus. C'est quand même une info. Enfin, c'est hors d'ordre, non, c'est invraisemblable. Il y a un truc incroyable. C'est, ouais. Jamais on aurait pensé que ce garçon puisse éventuellement se séparer de ce club-là. Mais... Et de la manière. La manière, elle est importante. Cristiano Ronaldo, c'était en coulisses, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, à un moment. Bon, bah, il a quitté le Real Madrid. Non, parce que tout le monde était content, visiblement. Tout le monde était content. Mais là, c'est surtout la manière. C'est qu'on n'imagine même pas Messi comme ça. Parce qu'on a l'impression du petit. Alors, il a une méga personnalité, évidemment. Mais ce n'est pas l'image qui en ressort. Après, je trouve ça quand même assez courageux. C'est-à-dire, dans le sens où. Alors, selon ce qu'il va faire, partir à Miami pour une qualité de vie, et voilà, ça se respecte. Et peut-être que ça sera ça et ça se respectera au vu de sa carrière. Mais s'il va chercher un autre challenge dans un autre championnat, ces animaux là entre lui et Cristiano là, les deux bestiaux là, ils se tirent quand même indirectement la bourre un petit peu. Le fait que on dise souvent que Messi dans l'univers du Barça est toujours un petit peu avantagé, que l'autre a fait d'autres championnats, qu'il est toujours performant, bah, peut-être qu'il se donne aussi lui les moyens de se dire bah, finalement moi je vais y aller et puis on va voir ce que ça donne. Mais je trouve qu'il faut beaucoup de courage. Il pourrait finir à Barcelone tranquillement. Il en a peut-être vraiment marre de la situation. Il y a trois remontada dans les dents, trois années de suite. Bien sûr. Parce que là il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que lui c'est quand même un compétiteur. C'est quelqu'un qui veut gagner, qui aime gagner. En plus, il peut retrouver Guardiola, donc ce serait quand même le. Et il sait qu'il ne gagnera pas dans les deux prochaines années avec Barcelone. Il y a deux différences, on va dire, entre. Ce qui s'est passé pour Ronaldo et lui, c'est que, un, lui, c'est un enfant du Barça. Ronaldo n'est pas un enfant du Real. Il a fait quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas un enfant du Real. Lui, c'est un enfant du Barça au sens premier du terme. C'est-à-dire que, voilà, et c'est même allé très loin. C'est-à-dire que Barça a contribué à son fameux traitement pour qu'il puisse grandir, sinon il aurait fait 1m50 et il n'aurait pas fait carrière. Enfin, voilà, il y a tout ça en jeu dans tout ce qui ressort et dans l'animosité, ou, enfin, mettez les qualificatifs que vous voulez. Ronaldo, c'est un engagement contractuel. Autre chose, Ronaldo, quand il part, c'est parce qu'il a demandé une revalorisation salariale que le Real n'était pas prêt à lui donner. Il touchait 21 millions à peu près au Real. Il a demandé la trentaine de millions. Le Real considérait que non, ça ne se justifiait pas. Enfin, c'était leur calcul. Et du coup, il est parti. Vous ne me donnez pas ça. La Juve me le donne. J'y vais. Ce n'était pas par goût ou forcément du challenge. Il ne s'est pas dit, je suis au Real qui vient de gagner 3 Ligues des Champions, mais non, je vais aller à la Juve qui n'en a pas gagné depuis je ne sais pas combien de temps. Non, c'est parce qu'ils étaient prêts contractuellement à s'aligner. Mais si, c'est une cassure. Qui est aussi une cassure affective. Ouais. Voilà. Alors, il y a ça au jeu. Par rapport à ça. C'est presque un drame familial. Régis, à qui la faute sur ce bras de fer? En tout cas, ça ne se fait pas proprement, visiblement. Pour vous, c'est le Barça qui doit dire bon, ben, Messi veut partir, ok, on fait ce qu'il faut pour qu'il parte. Ou Léo Messi, à l'inverse, qui doit faire les choses un peu plus proprement? Pas proprement. Je rejoins Raymond. Il prend une décision, il n'ouvre pas la discussion avec qui que ce soit, il dit « je veux partir ». Mais « je veux partir », je pense que c'est réfléchi depuis un moment dans son esprit. Ça ne vient pas que d'aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 ans, il sentait bien lui que l'équipe, ça commençait un peu à descendre et à baisser. Ça reste un compétiteur qui veut gagner encore à 33 ans, qui veut gagner encore des compétitions. Il a des challenges aussi personnels. Et effectivement, la rivalité avec Ronaldo, parce que quand vous arrivez en fin de carrière, il y a toujours quand même des trucs à jouer. Il est dans son droit aujourd'hui de ne pas venir, il a entièrement raison de ne pas venir au club pour faire les tests, parce que c'est lui qui se mettrait à la faute, il a entièrement raison. Donc après, on peut toujours discuter de la façon, la classe du club ou de ça. Mais lui, je trouve qu'il a été relativement assez clair. Maintenant, je pense que le club n'a jamais pensé qu'un jour il allait partir. C'est ça la clé. Et puis surtout les supporters. Et le président qui le fait partir, il sait qu'il peut être pendu dans les rues de Barcelone du jour. Ça peut être dangereux pour lui. Et la Liga espagnole, la fameuse Liga espagnole, sans eux, sans les deux stars. Sylvie, t'es en Uruguay, ou c'est pas où. C'est les nouvelles stars. C'est la une de votre journal de demain. Masque d'or. Magnifique. Pour Julien Alaphilippe. Maillot jaune sur le Tour de France. Léo Messi, il en sera question dans l'équipe d'Estel, c'est sûr. À partir de 17h30 pour tous vos débats. Très bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous pour cette première soirée Ligue 1 de la saison. Demain, l'équipe d'Estelle, l'équipe du soir, première partie.